Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre séance d'arrondissement du conseil d'arrondissement, la première séance de la nouvelle année 2022. Et je suis très content d'avoir avec nous, comme d'habitude, les services, les directeurs qui nous accompagnent à chaque séance, et bien sûr, notre conseil d'arrondissement, Madame Catherine Clément-Talbot. Bonsoir à tous, bonne année, l'année commence, alors une bonne année 22. Madame Louise Leroux. Et bonsoir tout le monde. Santé, bonheur, paix, prospérité, espoir pour la nouvelle année. Donc, health, happiness, peace, prosperity and hope for the new year. Monsieur Shahi Tarakjan. Bonjour, bienvenue. Mon nom est Shahi Tarakjan. Je veux vous dire que c'est bon de commencer l'année comme ça. Je veux dire bonne année à tout le monde. Happy New Year, health and happiness, and that will be it for today. Merci, Shahi. Benoît Langevin. Je ne vais pas répéter ce que mes collègues viennent de dire, là, mais bonne année quand même. Happy New Year. Let's do this council. Thank you for being here. Thank you for participating in our Borough's Affair. Thank you. Merci, Benoît, pour ces mots de bienvenue. On ne savait pas, il y a à peu près 2 ans, qu'on serait en virtuel encore en 2022. Malheureusement, on est encore ici, je suis seul dans la salle du conseil, et les autres en virtuel, comme on fait depuis près de 2 ans. So again, we find ourselves in a virtual setting. I'm the only one here at our council chambers, of course, accompanied by our directors, who so often are by our side and providing us with the necessary information and expertise. And I thank them sincerely for being here. And also our council who are with us virtually. And I welcome all of you as well for joining us once again this evening. And hopefully we will get through this sooner than later and find ourselves once again in a public setting where we can see all of you as we miss you all so terribly and hope to see you again very soon. En cette première séance de la nouvelle année 2022, les membres du conseil se joignent à moi afin de vous transmettre nos meilleurs vœux de santé, de prospérité et de bonheur. Pour bien entamer cette séance, je souhaite vous partager encore quelques sujets d'intérêt qui touchent notre communauté. Tout d'abord, j'ai le plaisir de vous annoncer le retour de notre événement hivernal annuel Plaisir d'hiver, qui se tiendra le samedi 19 février prochain de 13h à 16h au parc de Roxborough, au coin de 11e avenue et 11e rue. To start off, we are extremely happy and pleased to announce once again the annual Winter Carnival, which we've held in different locations throughout the borough, recently here next to the City Hall. And this year we are planning it for Saturday, February the 19th, from 1 p.m. to 4 p.m. at Roxborough Park, which is situated at the corner of 11th Avenue and 11th Street. En raison du contexte pandémique, et en concordance avec les mesures de santé publique, les personnes qui souhaiteront participer en famille devront obligatoirement s'inscrire à l'avance. You must register in advance in compliance with the sanitary measures, and we'd ask you to do that by going to our website. Sur place, plusieurs activités pour la famille, patins, raquettes, trottinettes de neige, fat bike, glissade et des sucreries, et surveiller les annonces sur le site web. We have many activities planned that day. Of course, skating, we have snowshoeing, fat bike, and there will be many other treats available as well. Again, we ask you to follow all the sanitary measures so that we can all participate in these events and be safe. Depuis le 5 janvier dernier, du patinage libre est offert gratuitement aux résidents de Pierrefonds-Roxborough à l'aréna de Sportplex Pierrefonds, selon les mesures sanitaires en place.
Sous forme de réservation, les citoyens de l'arrondissement peuvent patiner seuls ou en bulle familiale pour une durée de 50 minutes. Plusieurs familles ont déjà profité de cette initiative mise en place par notre arrondissement afin de permettre à tous de pouvoir demeurer actifs malgré le contexte pandémique qui limite les activités permises. Vous avez jusqu'au 23 janvier pour réserver et bénéficier de cette activité. Tous les détails se trouvent sur notre page montréal.ca, Pierrefonds, Roxborough. We are offering since January the 5th, free skating at the arena. You may now reserve your 50-minute spot for your family and family bubble that you will be able to use free of charge for Pierrefonds Roxborough residents. And this initiative was put in place because we needed to keep our population active, of course, with all or many sports programs being canceled. And so what we decided to do is offer these blocks of hours to our residents for them to stay active, especially with the pandemic and the, you know, the distancing that is required. We felt this was one of the options that could benefit many of the families that have done so already. And you have until January the 23rd to be able to reserve by going to our website, montreal.ca/Pierrefonds-Roxborough. Parlant de patinage, les températures très froides des dernières semaines ont permis à nos équipes dédiées aux patinoires extérieures à vous offrir des glaces de belle qualité. En tout temps, vous pouvez consulter les conditions de patinoire et les sites ouverts dans votre quartier sur notre site web. Speaking of skating, we know that our teams, our services have been working extremely hard, sometimes in difficult conditions, to maintain our outdoor skating facilities. And they have done so and maintained the ice in the best way that they can. And I know firsthand because I've gone on them, the ice is in excellent shape these days. We must also say that sometimes the ice is closed earlier than expected in order for us to carry out the maintenance requirements that we need to do before night's end so that we can ensure that the ice is in good quality the next day and secure for all to use. We'd ask you, of course, to go to our website and you can consult which rinks are ready and the condition of all our ice surfaces. Suivant l'engagement pris par notre conseil en 2017, l'arrondissement soulignera ce mois-ci la journée de commémoration et d'action contre l'islamophobie et toute forme de discrimination afin de non seulement perpétuer la mémoire des 6 victimes canado-musulmanes de l'attentat de la Grande Mosquée de Québec du 29 janvier 2017, mais aussi pour sensibiliser la population au respect des différences. This follows our commitment at the borough in Pierrefonds-Roxborough in 2017, where we decided that this month would be commemorating action against Islamophobia and all forms of discrimination, not only in memory of the 6 victims that were tragically lost of Muslim faith at the Grande Mosque de Québec in the 29th of January 2017, but also to raise awareness to the population, of course, on the many differences that we celebrate our diversity here in Pierrefonds-Roxborough. Dans le souci de poursuivre la construction du vivre ensemble et parce que nous avons à cœur le respect et la célébration des différences, l'arrondissement organise continuellement des événements et des programmes d'activité qui visent à sensibiliser et à prévenir la discrimination et la violence, que ce soit sur la base de la religion, le sexe, la race, l'orientation sexuelle ou encore les personnes vivant avec une déficience. C'est à travers des initiatives de ce type que nous réussirons ensemble à éliminer les crimes haineux et à maintenir la paix et l'harmonie qui règnent dans notre arrondissement. À cet effet, je vous invite à rester à l'affût. Une programmation spéciale sera proposée par nos bibliothécaires à la fin du mois de janvier
sous la thématique « Célébrons la richesse de la différence », notamment dans le cadre de la journée de commémoration et d'action contre l'islamophobie et toute forme de discrimination et de la semaine de la sensibilisation musulmane. So we're always looking at ways of promoting the whole concept of living together here in the borough of Pierrefonds-Roxborough by offering a specialized programming to allow for our citizens to better understand and celebrate our differences, whether they be religion, sex, our race, our sexual orientation, and of course, folks that are living with deficiencies. It is through this initiative that we will be announcing at the end of the month the different programming at our libraries that will be offered not only to talk about all the issues as I mentioned, but also in that whole sphere of the commemoration on action against Islamophobia and other forms of discrimination, and of course the education and the sensitization regarding our Muslim community. Les dates à souligner pour le mois de janvier, puis quelques dates qui ont déjà passé. Le 1er janvier, c'est la Journée mondiale de la paix et du domaine public. Le 11 janvier, c'était la Journée mondiale du merci. J'en profite pour remercier tout le personnel de la santé qui continue à gérer cette crise sanitaire avec un grand dévouement. Et nous soigner et nous protéger, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous pour votre vaccin de rappel. Le 15 janvier, c'était la naissance de Martin Luther King, le célèbre pasteur et militant non-violent contre la pauvreté et la ségrégation raciale. Ce jour, on sait tous, est déclaré férié aux États-Unis chaque troisième lundi du mois de janvier. Nous tâcherons de déposer une proclamation dans ce sens également. Le 17 janvier, aujourd'hui, c'est la Journée mondiale de la cuisine italienne. Nous savons toutes et tous que cette cuisine est très appréciée. Je vous invite, et la raison pourquoi je souligne cette journée, c'est pour vous encourager d'aller supporter surtout les restaurateurs italiens dans notre arrondissement. Le 21 janvier, c'est la Journée internationale des câlins. Profitez de déconfinement pour renouer avec vos proches et les câliner, tout en respectant les consignes sanitaires. Journée mondiale, c'est le 24 Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. C'est aussi la Journée internationale de l'éducation, n'est-ce pas, Madame Leroux? Une pensée toute spéciale pour le personnel de l'enseignement qui contribue de façon significative à surpasser les contraintes toutes en maintenant la qualité éducative et pédagogique. Le 27 janvier, c'est la journée de la mémoire de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité. Et finalement, le 29 janvier, c'est la journée de commémoration de l'attentat contre la mosquée du Québec et d'action contre l'islamophobie. Madame Catherine Clément-Talbot, je passe la parole à vous. Je vous remercie, Monsieur le maire. Tout d'abord, je dois vous dire que nous avons perdu deux personnes importantes dans notre arrondissement. Monsieur André Touchette, qui faisait beaucoup de bénévolat avec la Maison des jeunes, qui est un citoyen de Pierrefonds, Roxborough, depuis moult années, 50 presque années. Alors, nos sympathies à la famille. Également, Madame Chantal Vérité, elle a présidé la Société d'horticulture et d'écologie pour 15 ans, pendant 15 ans. Alors, elle était là et elle n'était plus dans Pierrefonds, mais elle demeurait présidente de cette importante société que nous avons à Pierrefonds. Also, I want to talk about this beautiful art contest that we had in December.
It was the opportunity of the year because it was maybe one of the most, it was the only one. I don't say it was the only one, but it was an event and we could do it. So the artists were there at the library. You were able to be seeing all those beautiful art pieces. So in the month of December and January, so thanks to all the personnel of the library. And also, I want to congratulate the population of Pierrefonds that still go to the library. We have an attendance of 500 people every day, mostly. And at the library, it's a measure that is imposed by COVID. It's les bulles familiales, so I don't know the term in English, but it's 20 people that are allowed, 20 families or so that are allowed at the time. So it needs a big work of our services. So many thanks to our services and many thanks to the population to still go and enjoy our culture that we have at the library. As Monsieur Maire said, there's also days that are going to be done with the Islamic condition. So many thanks. And please, I do appreciate that the population of Pierrefonds, Roxborough, take care of their library. Thank you. Merci, Monsieur le Maire. Madame Clément Talbot, merci. Merci beaucoup. Effectivement, on ne le dit pas souvent, mais je prends cette opportunité encore pour remercier les services, les employés, les gens qui font ce travail tous les jours pour le bénéfice de nos citoyens. So again, thank you, Madame Clément Talbot. We don't say it often enough, but there are people and workers and staff behind everything that we see in every community. And I thank them sincerely for all the work under difficult conditions at times that they do on a regular basis to provide the necessary services to you all. So when you have a moment, je vous encourage d'aller les remercier pour le travail qu'ils font. Yes, it is a job, but it is also a passion, and our employees do it so well for the benefit of our citizens, and I thank them sincerely. J'avais oublié quelques items que je voulais juste ajouter. Au niveau du REM, les travaux, s'ils ne sont pas commencés, ils vont recommencer très bientôt. La plupart des travaux qu'on va voir sur notre territoire, c'est la construction des fondations pour les stations Sunnybrook et l'autre station au Pierrefonds Roxborough. Bien sûr, il va y avoir un peu de bruit et poussière, et je vous encourage d'aller sur le site du REM, c'est où les envoyer un courriel à info@rem.info. Le numéro de téléphone aussi, je vais vous donner le numéro de téléphone pour REM Info, c'est le 1-833-REM-INFO ou 1-833-736-4636. Work is resuming on the REM tracks, if it hasn't already. Primarily, beginning in January, is the foundation work that is surrounding the stations at Sunnybrook and, of course, at Pierrefonds Roxborough. We would ask you to consult their website at rem.info. You can also send them an email at info@rem.info or call them at 1-833-736-4636. J'ai deux autres items que je voulais pas oublier. Bien sûr, avec la neige, on a beaucoup plus de déneigeurs privés sur notre territoire. Je vais vous dire, parce que je constate exactement la même chose comme nos résidents, que souvent, ces déneigeurs ne respectent pas les lois concernant la route, comme la vitesse, les stops, etc. Et je vous demande, chers citoyens, d'appeler soit la police ou nous contacter le plus rapidement possible si vous voyez quelque chose qui n'est pas correct. Et la raison pourquoi je vous dis ça, c'est que, surtout avec la neige, et surtout sur les rues où on n'a pas de trottoir, bien sûr, on a des personnes âgées qui marchent,
on a des étudiants, les élèves, qui marchent le matin et le soir. Et là, on a les déneigeurs, malheureusement, pas tous, mais on a des déneigeurs qui ne respectent pas nécessairement les lois qui nous concernent au niveau de sécurité de la route. So we would ask you folks that because it is the winter season, and when we have the private snow clearing companies on our territory, certainly there are some that may not respect entirely the rules of the road, and that is to say speeding, that is to say the throwing of the snow on the streets after our public works have gone through and cleaned the streets properly, that is the non-respect of the stop signs on the, in the area. And we'd ask you, if you do see this, to please make a point of calling the police, but also informing us. And we will make sure that we relay that information accordingly, as especially on the streets where we don't have sidewalks, as many communities don't in the residential areas. You can imagine for some of the elderly folks, the students that are trying to navigate through these areas, the dangers that it may pose when these large tractors are racing up and down some of these small residential streets. So please, let's all do our part and find a solution here for the safety of all. Je voulais terminer aussi avec un sujet qui m'interpelle, qui me concerne, qui nous concerne comme communauté. C'est les postes de quartier sur le territoire. Vous avez sûrement entendu qu'il y avait peut-être, qu'il va y avoir peut-être la fermeture de certains postes de quartier à Montréal. Je vais vous dire que moi, comme maire de cet arrondissement-là, et aussi notre conseil, on va faire le plus possible pour s'assurer, si jamais quelqu'un propose ou décide de fermer les postes de quartier sur le territoire, qu'on va faire le plus possible comme arrondissement et comme élu de protéger, qu'on garde les postes de quartier ouverts pour nos citoyens. So, certainly you've heard that there has been some talk on the possibility of some of the neighborhood police stations closing throughout the island of Montreal, and as we've seen in some other areas that were done unilaterally. I can tell you that we haven't heard anything in our community as of yet, but we, as an elected body, will do everything in our capacity to make sure that we maintain that these facilities stay open in our community. And we're talking about, first of all, Station 3, which is situated on Pierrefonds Boulevard, almost the center of our community that is about 30 kilometers large, or wide, I should say. We have our Station 4, which is situated in DDO, however, also can react and serve a sector in the eastern portion of Pierrefonds. And the reason I bring this up is the reaction time and the perception that citizens have when there is a police station. The idea of creating these neighborhood stations years back was to create exactly that, a neighborhood police station accessible for all within the residential areas that they are situated in right now. Pour vous donner une idée du poste 3, imaginez le temps que ça prend pour intervenir si quelque chose arrive dans l'ouest de Pierrefonds. On peut prendre la rue Pilon. Vous pouvez le faire, d'aller du poste 3 à la rue Pilon pour voir le temps que ça prend. Imaginez si ce poste ferme ou si quelqu'un qui demeure dans ce secteur veut avoir quelqu'un au poste de quartier et si ça ferme, il faut aller au poste 4, ça reste ouvert, ou même à poste 1 sur Saint-Charles, au sud de la 40. So just to end, you can hear it in my voice how concerned we need to be about this, because
the territory is huge. The idea of potentially even thinking of closing one of these neighborhood police stations would most likely result in an amount of time necessary for either the officers to react to something in the extremities of our community, but also would make our citizens have to travel much further to speak to a police officer at their neighborhood police station, and they would either go to station 4 if it was to stay open on sources. Imagine from the western portion of Pierrefonds how long that would take. Or they would have to be forced now, if it stayed open, station 1, which is situated on St. Charles. So all to say, je voulais pas parler de ça ce soir, mais j'ai dit que on a bien entendu pendant les fêtes la fermeture potentielle de ces postes de quartier. Je vais vous dire que nous, on va demander que les postes restent ouverts, mais aussi, si jamais une décision est prise ou demandée de fermer quoi que ce soit, on va demander une consultation publique avec nos citoyens pour donner l'opportunité à nos citoyens de s'exprimer là-dessus. So again, I didn't want to speak about this tonight, but I felt it important during the holidays. We all heard this, and we are concerned with it. If there is a decision, or even an idea, closing these neighborhood police stations, we will make sure that we will do everything we can to oppose this, but we will also request a public consultation so that the citizens have an opportunity to be able to intervene, voice their concerns, and try to keep our stations open if there's any thought of them closing anything, whether it be 4, 3, or even 1, which serves part of our community, even though they don't belong on our territory. So, sur ce, merci, merci infiniment. On va passer à la période des questions des citoyens. Thank you very much to the citizens that took the time to write us. Every question is equally as important to us, and we will do everything we can to answer them. Si jamais on ne donne pas la réponse que vous attendez, on vous encourage de communiquer avec votre conseiller, conseillère, et bien sûr, les services ici à la Ville pour avoir un peu plus d'informations si c'est nécessaire. Madame Cloutier, je vous passe la parole. Merci, Monsieur le maire. Alors, nous allons débuter cette période de questions par les questions reçues en français. La première provient de Monsieur Eric Python et sa question est la suivante. Bonne année à tous. Concernant le PPU Saint-Charles, qui est une démarche importante relativement unique, porteur d'avenir, une requalification des usages, un encadrement de zonage, soulève des enjeux de circulation et de cohabitation avec les secteurs résidentiels voisins dans des perspectives de qualité de vie de ses citoyens et de développement durable en interaction avec les intervenants du milieu. Dans un contexte pandémique de communication et de participation démocratique plus difficile, quels moyens seront utilisés pour faciliter l'information et la concertation du grand public et des citoyens concernés, comme par exemple une visibilité de premier plan dans la revue municipale Vive à Pierrefonds-Oxboro, un communiqué dans le compte de taxes, la communication et la discussion des rapports et documents ou de mise à jour significative au CCU ou à l'APR, ou encore la participation des citoyens au comité d'orientation formé de représentants du milieu intervenant dans la réflexion sur une vision de développement et d'aménagement du territoire. Quelle est sa composition actuelle et qui permettrait d'aller au-delà des demandes d'accès à l'information, du ping-pong, des questions-réponses au conseil d'arrondissement et d'une consultation publique ponctuelle, possiblement virtuelle, impromptue et animée par une partie prenante au lieu de l'OCPM. Monsieur le maire. Madame Cloutier, merci beaucoup. Monsieur Python, merci pour la question. Le Conseil désire adopter dès ce soir une politique de consultation citoyenne qui encadrera notamment les démarches de consultation pour le PPU Saint-Charles. Le fondement et le fonctionnement de la participation citoyenne est simple. Il s'agit d'un processus qui implique la diffusion d'informations auprès des citoyens, de même que la collaboration entre arrondissements, les citoyens et les différentes parties prenantes.
Dans le cadre du PPU Saint-Charles, cette politique permettra de recueillir un maximum d'informations sur les projets, tout en ayant l'opportunité de poser des questions et d'exprimer des préoccupations avant que le PPU ne soit adopté. Les citoyens experts de leur milieu de vie peuvent parfois faire émerger des solutions et des idées qui n'auraient pu être envisagées s'ils n'avaient pu prendre part de la planification du projet. Cette politique sera disponible sur son site Web très rapidement. De plus, l'arrondissement discutera avec le consultant afin de bien cerner et l'identifier les parties prenantes au projet, de bien cerner et diffuser l'information disponible, de bien encadrer les sessions de participation et de consultation et finalement d'effectuer des mesures de rétroaction. L'ensemble de ces actions sera précisé dès le début du mois de mars et l'arrondissement vous tiendra informé. Monsieur Payton, merci beaucoup. C'est un projet éventuel qui nous encourage, bien sûr, d'aller de l'avant, mais aussi de voir qui va participer au niveau des citoyens et les idées qui vont sortir de tout ça. Je vous remercie sincèrement de prendre le temps de nous écrire ce soir. Madame Cloutier. Merci, Monsieur le maire. Alors, nous allons poursuivre la période de questions avec les questions reçues en anglais. We'll now move on to the English questions. The first question comes from Eric Lessard, and his question is as follows. I was at the Amabe skating rink the other day and saw that the hose used for watering the ice surfaces was left outside the water running into a sewer. I understand that running water will prevent freezing of the hose, but I was wondering if it would not make more sense to bring it inside and save all that water. Not a critical question, just curious, so if you prefer. Someone can get back to me via email. Thank you. Monsieur le maire. Madame Cloutier, merci beaucoup. Mr. Lessard, thank you very much for taking the time to write this question. I will answer this firsthand, because believe it or not, over 30 years ago, when I started my career in the municipal world, one of my responsibilities, of course, was director of parks and recreation. And one of the responsibilities within that framework was managing all the outdoor facilities at the time. And I know that even then, because of the amount of hose, the caliber of the hose that is used, the manipulation that is required in order for us to disconnect, reconnect, bring everything inside, bring it back out, in the time that it takes, specifically when there are thin coats of ice that need to be applied, because it's not what people may think, where we go on an ice rink and we flood it and we let the water run at any thickness and then we leave. It's a very scientific process to it. Otherwise, you're going to have cracking, you're going to have ice that's not safe the next day. And it needs to freeze rapidly, however, not take the time where only the surface will freeze and not the bottom, creating air pockets. And so this is why the hose is left outside to run for a specific period of time until that first thin coat freezes. And depending on the number of coats that our teams apply, that's how long the hose stays out there. In a perfect world, you make perfect sense, and I totally agree with you that it is using some water to a certain degree, but it is something that is absolutely necessary in these conditions. I know that in the past, and I can verify with our teams, it doesn't have to flow at full force. It can just trickle out, but as long as the water is moving within the hose, it will not freeze. So I'll verify that with our teams to make sure that it isn't running at full force in the sewers. I'm not sure. I haven't seen it, to be honest with you, in a long time, but I will make sure that we follow up that if it is the case, to make sure that there isn't a very strong flow of water that we're wasting, if you will, before we apply the numerous coats that are required. Thank you, Mr. Lessard, for the question. I appreciate you. Have a great evening. Madame Cloutier. Merci, Monsieur le maire.
Alors, les quatre prochaines questions concernent tous le même sujet. Je vais les lire les unes à la suite des autres. The next four questions are all regarding the same subject, so I will read them each one at a time. The first question is from Gerald Wood. The city of Pierrefonds has promised the citizen that they would be invited to participate into the planning committee for the revitalization of Upper Saint-Charles. We have watched as contracts are being given out for various elements referencing Upper Saint-Charles. As of today, we have yet to hear from the city of Pierrefonds telling their citizens when we'll have our say in the upcoming changes to Upper Saint-Charles Boulevard. The second question on the same topic is from Alexandra Marocchino, and her question is as follows. It was stated by the city of Pierrefonds would invite its citizen to participate in the planning committee for the revitalization of Upper Saint-Charles. Where can we sign up to be part of this citizen committee, and can you add my name to the list now? Thank you. The third question is from Diana Pagliotti, and her question is as followed. I'm excited about turning Saint-Charles into the gateway to the city of Pierrefonds-Roxboro. I'm hoping the transformation will call for minimal zoning and bylaw changes. Also, I would not want any changes to be considered until we, the public, have been consulted. Mr. Papineau received a list of community members' names in the fall of 2021. Is Apure Inc. aware that we are to be contacted to discuss the guidelines for the transformation of Upper Saint-Charles so that we can all contribute to the betterment and embellishment of our city? And the fourth question regarding the same topic is from Heidi Bagsha. Her question is as followed. As we witnessed last year in our borough with the rejection of the zoning change for the Anselme Lavigne Forest, urban real estate development project often encounter roadblocks during the public consultation process. As the borough of Pierrefonds-Roxboro studies the revitalization project for the Saint-Charles Boulevard commercial access, I would like to propose that you offer information sessions that seek out the public's idea first before pre-existing a plan or idea is proposed by the Urban Planning Advisory Committee. Consulting with the residents first could help give you insights into what the area of Saint-Charles commercial access needs and what the community wants, which could be shared by the urban planners and developers in a more collaborative and continuous consultation process. In this way, the residents will feel that their voices were heard first and that their ideas are being respected by the council. Having the community on your side is indispensable in a large urban planning project. I thank you for your considering this idea. Monsieur le maire. Madame Cloutier, merci beaucoup pour la lecture de ces questions. Ladies and gentlemen, thank you very much for asking these questions. I'm encouraged, and I'll tell you why I'm encouraged, because once again, we see that our residents are concerned to the point where they want to be involved in finding viable solutions for the environment that they live in. And so the other reason why I'm encouraged is because tonight, the Borough Council wishes to adopt a citizen consultation policy, which will notably provide a framework for the consultation process for the PPU St. Charles. And the basis and operation of citizen participation is simple, as I mentioned earlier in my French response. This is a process that involves the dissemination of information to citizens, as well as collaboration between the borough, citizens, and the various stakeholders. As part of the PPU St. Charles, this policy will allow the diffusion of as much information as possible on the projects while having the opportunity to ask questions and express concerns before even the PPU is adopted. Citizens, experts in their living environment can sometimes bring out solutions and ideas that could not have been considered if they had not been able to take part in the planning of the project. This policy will be available on its website very soon. In addition,
the borough will discuss with the consultant in order to clearly identify and identify the stakeholders in the project to clearly identify and diffuse the available information to properly supervise the participation and consultation sessions and to carry out feedback measures. All of these actions will be specified at the beginning of March, and the borough will keep you informed and invite the general population through its website and posting. The borough will coordinate its consultation process and enforce its policy along with the consultant APIR, which is the consulting company that we have. So, having said that, all of us will have an opportunity to find solutions in terms of particularly urban planning in any area of our borough. And this is why I'm encouraged, because what we are doing tonight, and I'm not sure there are many other communities that do it this way, but we want to make sure that the citizens have a proper place around the table in terms of discussing any upcoming projects that are designed to potentially, yes, affect and change the environment that we've been living in for many years of our life here in Pierrefonds-Roxboro. And so we are encouraged. I thank also our services for putting this forward and working tirelessly behind the scenes as we see the finished product, of course, of what we are approving, or what we hopefully will approve tonight. But then after that, we count on you, not only the four or five that have asked questions tonight, but we count on our citizens whenever there is a project that is in question, for us to get involved, get all the information firsthand, and come up with a collective decision in terms of how we want to see our community grow. Merci à tous et à toutes pour les questions ce soir. Thank you to all for the questions tonight. Et j'espère au mois de février de vous voir en personne, sinon ça serait en virtuel encore. J'ai oublié dans ma rubrique de laisser à Madame Leroux prendre la parole pour quelques messages. Je m'excuse, Madame Leroux, j'ai complètement oublié, mais je vous passe la parole avant la lecture de l'ordre du jour. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Écoutez, les membres du conseil, on a à cœur la santé et sécurité de nos citoyens. À ce sujet, comme vous le savez, la rentrée en personne des élèves à l'école était supposée d'avoir lieu aujourd'hui. Les conditions météorologiques ont fait qu'elle a été repoussée à demain. Donc, notre message pour tous les citoyens, c'est d'être prudents aux abords des écoles. Partez 10 minutes plus tôt afin d'être moins stressés. Et bonne rentrée aux élèves, membres des équipes écoles et aux parents. Et on demeure toujours disponible si vous avez des questions ou des commentaires par rapport aux écoles. louise.leroux@commercialmontreal.ca. Au plaisir de vous lire. Donc, juste en anglais pour nos citoyens anglophones. As you know, the return of the students was supposed to be today, but the weather condition have caused it to be reported tomorrow. So I would like just to remind you that please be careful around the schools. Leave 10 minutes earlier to be less stressed, and welcome back to the students, the teachers and members of the school, and also the parents. And if you have any concerns or questions, well, feel free to send me at louise.leroux@montreal.ca. And I will look forward to read you. Thank you. Madame Leroux, merci. Merci beaucoup pour ces informations très importantes concernant la sécurité de nos jeunes dans l'arrondissement. On commence avec l'ordre du jour au 10-03, que soit adopté l'ordre du jour de la séance conseil d'arrondissement. Je propose. J'appuie. Madame Leroux, Madame Talbot, merci. 10-04, que soit adopté le procès verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenu le 6 décembre 2021 à 19h. Je propose. J'appuie. Madame Talbot, Monsieur Langevin, merci. 15-01, que les membres du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro élus le 7 novembre 2021
déclare qu'ils soient adéquatement protégés contre la COVID-19 afin d'assumer leurs fonctions. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Madame Talbot, merci. 20.01. Que soit octroyé contrat SP 2021-10 à CB Tech Inc. au montant de sa soumission pour une somme maximale de 108 846,83 taxes incluses pour des services professionnels pour préparer les plans et devis en ingénierie pour l'installation de nouveaux systèmes de gicleur automatique dans le garage 3 situé dans le cours des travaux publics dans l'arrondissement de Pierrefonds-Loxborough, autorisé une dépense totale de 120 344 taxes incluses qui couvre le contrat de l'entrepreneur et les contingences. Je propose. Ça prend un appuyeur. J'appuie, désolé. Madame Talbot et M. Tarakjan, merci. 20.02. Que soit octroyé à LML Paysagistes et Frères Inc. le contrat ST-21-12 au montant de sa soumission soit 681 520 taxes incluses pour des travaux de revitalisation du terrain de soccer synthétique au parc grillé dans l'arrondissement de Pierrefonds-Loxborough, autorisé une dépense totale de 795 245, à savoir un montant de 681 520 taxes incluses pour le contrat 102 1228 taxes incluses pour les contingences de 11 487,97 taxes incluses pour les incidences. C'est le 20.02. Je propose. Monsieur Tarakjan, Madame Leroux, merci. 20.03. Que soit annulé le processus d'appel d'offres SP 2021-13 pour des services professionnels en architecture et ingénierie pour la rénovation et le réaménagement au Centre culturel de Pierrefonds dans l'arrondissement de Pierrefonds-Loxborough, puisque le seul soumissionnaire était non conforme, le 20.03. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Madame Leroux, merci. 20.04. Que le Conseil appuie, dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur, le projet de l'institution scolaire du Collège Beaubois pour la construction d'un nouveau complexe sportif pour le secondaire afin que ce dernier puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation et s'engager à conclure une entente de service avec le Collège Beaubois dans le cadre de ce projet afin que ces installations soient accessibles à l'ensemble de la population, le 20.04. Je propose. Et j'appuie. Madame Leroux, Monsieur Langevin, merci. 20.05. Que l'arrondissement de Pierrefonds-Loxborough offre au conseil municipal, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, de prendre en charge la conception, la coordination et la réalisation des travaux de réaménagement du boulevard Lalande en sens unique entre les rues Gilmore et Dollard, dans le cadre du programme d'aménagement du rue artériel et d'aménagement cyclable. De 20.05. Je propose. J'appuie. Madame Leroux, M. Langevin, merci. 20.06. Que l'arrondissement de Pierrefonds-Loxborough offre au conseil municipal, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, de prendre en charge la conception, la coordination et la réalisation des travaux de prolongation de la piste multifonctionnelle du côté nord du boulevard Pierrefonds entre les rues Winnie-Wakefield et Paul Pouliot dans le cadre du programme d'aménagement des rues artérielles et d'aménagement cyclable. Je propose. J'appuie. Madame Talbot et M. Tarakjan, merci. 20.07. Que le conseil accepte l'offre du conseil municipal en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, pour les services professionnels du service de la culture pour la prise en charge du processus d'acquisition des nouvelles œuvres d'art public de la collection municipale et ce, pour une période de 3 ans
se termina le 23 août 2024 pour le nouveau complexe aquatique et récréatif de Pierrefonds Roxboro le 20-07. Je propose. J'appuie. Madame Talbot et Madame Leroux, merci. Le 20-08. Avant que vous procédiez, Monsieur le maire, pour le 20-08, je dois vous dire qu'ayant certains liens avec deux organismes visés dans ce dossier, je souhaite m'abstenir de participer afin d'éviter toute apparence de conflit d'intérêts. Je vous remercie. Merci, Madame Talbot. Le 20-08, que soient reconnus les organismes à but non lucratif visés par la liste des organismes à but non lucratif reconnus dans le cadre de la politique de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro élaboré par la Direction culture, sport, loisirs et développement social. Cette reconnaissance des organismes entre en vigueur dès son adoption. Mesdames et messieurs, ce soir, on est en train d'approuver la liste annexée en pièces jointes des organismes reconnus selon la politique de soutien et de reconnaissance des organismes à but non lucratif de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et autorisé, bien sûr, qu'il soit accordé les différents soutiens auxquels ils ont droit en vertu de leur catégorisation. La mise en œuvre de la politique est en lien avec le désir de collaboration entre l'arrondissement et les OBNL ou œuvres sur le territoire de l'arrondissement afin d'offrir sur son territoire une offre de services de qualité qui contribue à mieux être de citoyen. This resolution that we're passing tonight, of course, is to make sure that we have now a framework and a policy to recognize our nonprofit organizations, of course, in the different categories that are outlined within this policy. And of course, it is in collaboration with not only, of course, the borough services, but the organizations that offer services directly to our citizens affecting their quality of life. La politique de reconnaissance et de soutien des OBNL permet de formaliser la mission, la vision, les valeurs, les priorités et les principes auxquels l'arrondissement souscrit en matière de culture, sport et loisirs, développement social. Elle permet aussi de définir les rôles et les responsabilités qui incombent aux différents acteurs qui sont partie intégrante de la politique, ainsi que les règles, conditions et critères qui doivent être appliqués en matière de reconnaissance de soutien. So this will policy as we had before, but needed to be, worked on in the last 2 years, especially to make sure that we formalize the mission, not only of the borough that responds to the different values and priorities and principles in terms of how we work with our nonprofit organizations, but also it defines the roles and responsibility in terms of what the borough offers to the different organizations and what their roles and responsibilities are when it comes to the services provided to the citizens. And so all of this is done, of course, in an equitable way to make sure that we have a balance in terms of how we deal with the different requests that come from the different associations and that we don't have to manage these requests piecemeal, where we have a standing policy that creates a framework within that allows for nonprofit organizations, as we have in the past. However, now we've been able to look at strategically what was done in years past and see how we can integrate the associations that have done this incredible work in our community to fit within this framework and benefit from the different services that are offered by the borough, whether they be installation, whether they be publicity, whether they be financial support, and so on, as the many organizations have been used to in the past. So this is the whole idea of this resolution tonight. And it is the fruit of what was done and started pre-pandemic. And the services have worked tirelessly with the different organizations to provide something that makes sense and is equitable for all. Monsieur Langevin, je vous passe la parole. Monsieur le maire, je vais commencer par proposer cette résolution. Je propose la résolution. Est-ce que je peux avoir un secondeur? Ça me prend un appuyeur pour 20-08. J'appuie. Monsieur Langevin et Monsieur Tarakjan, merci. Merci. Allez-y, Monsieur Langevin, merci. Bien, je pense que c'est important de traduire un peu ce que vous venez de présenter, Monsieur le maire.
Ça a été depuis 2 ans, nos services ont rencontré les organismes communautaires de notre arrondissement afin d'établir une politique de reconnaissance. Celle-ci a été adoptée en janvier l'an dernier. Depuis, le service a procédé à l'analyse de près d'une centaine d'organismes qui offrent des services sur notre territoire. Centaines, je tiens à le dire, c'est un travail de moine. Qui va nous permettre de vraiment classifier les contributions locales que nous faisons auprès des OBNL qui offrent des services aux citoyens dans le respect des règles à charte de la Ville de Montréal. Dans un souci d'équité, plusieurs éléments ont été considérés dans la politique, comme les types de partenariats que nous entretenons avec nos groupes en matière d'échange des ressources financières, matérielles, informationnelles. Ce cadre est nécessaire afin que nous ayons un partage de la distribution de nos ressources qui, rappelons-le, ne sont pas éternelles. Souvent, on pense qu'on est un gouvernement et qu'il n'y a pas de budget, il y a juste des moyens. Il y a souvent juste des moyens, mais au niveau financier, c'est clair qu'il y a une nécessité à le cadrer et c'est ce qu'on fait ce soir en votant en faveur de cette politique. C'est d'établir le fonctionnement de cette politique qui cherche à sortir localement d'une logique de projet. Parce que c'est ça, c'est les groupes communautaires nous soumettaient un projet, on finançait le projet. Et là, on s'est dit non, il faut changer notre façon de faire parce que ça augmente la demande finalement aux groupes communautaires de produire des rapports, produire plus d'administration. Donc, on s'est vraiment concentré sur cibler un financement à la mission. Une fois établi, ce type d'approche permet un allègement administratif, comme je vous dis, ainsi qu'une meilleure pérennité des organismes. Parallèlement, on a aussi travaillé sur une politique d'événements spéciaux qui permettra de mieux traiter les demandes des groupes communautaires et associations sportives non reconnues qui organisent des événements. Souvent, on recevait des demandes, comme M. le maire disait, par courriel, on recevait une demande de tente à la dernière minute. Là, on va être capable d'encadrer ça avec cette politique-là. Je félicite les groupes communautaires pour leur participation ainsi que notre service de la culture, des sports, des loisirs et du développement social d'avoir établi des critères qui favorisent non seulement l'inclusion, mais aussi l'équité au sein de nos partenariats dans notre arrondissement adoré. Je vous redonne le micro, M. le maire. M. Langevin, merci. Merci beaucoup. C'est très clair. 30-01, que soit approuvée la reddition financière au montant de 126 573 pour la période du 30 octobre au 26 novembre 2021. Je propose. J'appuie. M. Langevin, Mme Talbot, merci. 40.01, c'est un avis de motion et donné par le conseiller-conseillère de l'inscription pour adoption à une séance subséquente du règlement CA-29-0014-3, modifiant le règlement CA-29-0014 concernant le comité consultatif d'urbanisme afin d'y apporter divers corrections et divers ajustements, d'ajouter des dispositions concernant la durée de mandat et le renouvellement de mandat des membres, de modification le mode de tenue des réunions, ajouter des précisions quant au conflit ou à l'apparence du conflit d'intérêts et de corriger diverses coquilles. Je donne l'avis de motion. Madame Leroux, merci beaucoup. 40-02, c'est un autre avis de motion et donné par le conseiller-conseillère de l'inscription pour adoption à une séance subséquente du règlement CA-29-032 concernant le comité de circulation. Je donne l'avis de la motion. Monsieur Tarakjan, merci. 40-03. Que le conseil prenne acte du dépôt de procès-verbal de la consultation écrite relative au PP 2021-005 visant à autoriser à 10 406 Boulevard Gouin sur le lot mentionné du Cadastre du Québec l'occupation du bâtiment principal existant par 3 logements au lieu du maximum de 2 logements prescrits au règlement de zonage en vigueur du zone C7-428, dans laquelle l'immeuble est situé, et d'établir les normes s'y rattachent, et ce, nonobstant toute disposition contraire inscrite aux réglementations de zonage CA-29-0040.
Je propose. I concur. Madame Leroux, Monsieur Langevin, merci. 4004, that be adopted the second draft resolution of PP 2021-005 to authorize for the immovable located at 10406 Boulevard going west on lot 1388-3636 of the Cadastre du Québec occupancy of the existing main building by three dwellings instead of a maximum of two dwellings prescribed in the zoning bylaw in force in zone C7-428 in which the immovable sits and to establish the standards relating hereto, notwithstanding any provision to the contrary contained in zoning bylaw CA-290040, to make the acceptance of the present specific construction project subject to the following conditions. A, that the existing private garage be demolished. B, that the chain link fence be installed to delineate the right side or a right side yard adjacent to 10408 Boulevard going west, whose ground floor is occupied by commercial use. The fence must be 2 meters high and have visual openings over the maximum of 20% of its surface. Conifers must be planted along the fence, or slats could be installed on the fence to ensure required opacity. C, that a landscaping plan to the front and right side yards indicating, among other things, the addition of greenery and at least one tree or shrubs in front of the yard, as well as the functional parking area and submitted and approved by the Direction Développement du Territoire et Études Techniques. D, the exterior cladding and window replacement work be completed. E, that the existing projecting steel beams on the right side elevation of the building be removed or cut. And F, that the permit and necessary authorizations for the present project be requested during the 24-month following the entry into force of the present SCAOPI, which is the PIP et c'est moi, to pursue the adoption procedure of this draft resolution in accordance with the rules of the July 16, 2021 Ministerial Order number 2021-54 by bringing the necessary adaptations to the referendum procedure, namely by establishing a remotely registration process of the qualified voters and, if need be, the organizing and holding of a referendum by correspondence according to the conditions provided by the bylaw on absentee voting. Ça, c'est 40. Madame Leroux, merci. I concur. Monsieur Langevin, merci. 4005. Que le Conseil prenne acte du dépôt procès-verbal de la consultation écrite relative à la demande de dérogation mineure pour le 3900-3918 Boulevard Saint-Charles, tenu le 9 au 23 décembre 2021, conformément aux dispositions au décret ministériel numéro 2021-54 du 16 juillet. Je propose. J'appuie. Monsieur Tarakjan, Madame Talbot, merci. 4006. Que soit approuvée la demande de dérogation mineure mentionnée concernant le lot mentionné adresse 3900 à 3918 Boulevard Saint-Charles-Pierrefonds visant à permettre dans les zones 3-223 pour un projet de réaménagement d'un immeuble commercial que le poste à quai existant et requis soit retiré une allée d'accès du 5,6 mètres au lieu de 6,5 mètres tel que requis avoir 77 cases de stationnement au lieu de 80 cases de stationnement, c'est le 4006. I propose. J'appuie. Monsieur Tarakjan, Madame Talbot, le 4007. Que le Conseil prenne acte du dépôt de procès verbal de la consultation écrite relative à la demande de dérogation mineure pour le 4957 Boulevard Saint-Jean, tenu le 9 au 23 décembre 2021, conformément aux dispositions du décret ministériel numéro 2021-54 du 16 juillet, c'est le 4007. Je propose. J'appuie. Madame Talbot, Monsieur Tarakjan, merci. 4008. That be approved. The minor exemption request numbered regarding lot 1842646, address 4957 Boulevard Saint-Jean à Pierrefonds,
aiming to allow in C4 281 zone for the commercial building located in the special intervention area, having as its principal use of sale and preparation of food products on the premises, to exempt from the requirement to construct an enclosure around the outdoor waste container, provided that the minor exemption shall be limited to the duration of the operation of the business, which is subject of the exemption. No acquired right of such minor exemption shall occur. 40.08. I propose. I concur. Madame Talbot, Monsieur Tarakjan, ça c'est le nouveau Intermarché qui va s'installer à l'ancienne Morelatos au coin de Saint-Jean puis Boulevard Pierrefonds. Et l'ouverture est planifiée pour bientôt. On n'a pas la date exacte, mais aussitôt qu'on a la date prévue pour l'ouverture, on va l'annoncer at large un peu partout dans les médias sociaux. 40.09. Que le Conseil prenne acte du dépôt du procès verbal de la consultation écrite relative à la demande de dérogation mineure pour le 19526 Wagon West, tenu du 9 au 23 décembre 2021, conformément aux dispositions du décret ministériel numéro 2021-54 du 16 juillet 2021. 40.09. Je propose. J'appuie. Monsieur Tarakjan, Madame Talbot, merci. 40.10. Que soit approuvée la demande de dérogation mineure mentionnée concernant le lot 6336972, adresse 19526 Boulevard Ouest, Pierrefonds, d'un futur bâtiment unifamilial isolé de deux étages visant à permettre, dans la zone H1-208, d'exempter l'obligation de prévoir une bande de 1 mètre gazonnée ou autrement paysagée, d'une allée d'accès à une ligne latérale de l'eau, d'exempter l'obligation d'aménager une bande de terrain gazonné ou paysager à l'aide de végétaux d'une largeur minimale de 1 mètre entre une allée de circulation ou une aire de stationnement et la limite de propriété latérale, d'exempter de l'obligation de prévoir une allée d'accès située sur le même terrain que l'espace de stationnement hors rue qu'elle dessert. 40.10. Je propose. J'appuie. Monsieur Tarakjan, Madame Talbot, merci. 40.11. Que le Conseil prenne acte du dépôt du procès verbal de la consultation écrite relative à la demande de dérogation mineure pour le 18040 rue Antoine Faucon, tenu du 9 au 23 décembre 2021, conformément aux dispositions du décret ministériel numéro 2021-54 du 16 juillet 2021. Je propose. J'appuie. Madame Talbot et Monsieur Tarakjan, merci. 40.12. Que soit approuvée la demande de dérogation mineure mentionnée concernant le lot 1978469, adresse 18040 rue Antoine Faucon, Pierrefonds, visant à permettre dans la zone H13198 pour un bâtiment unifamilial isolé de deux étages, agrandissement du deuxième étage dans la cour latérale côté est, à une marge latérale de 1,24 mètres au lieu du minimum requis de 2 mètres. C'est le 40.12. Je propose. J'appuie. Madame Talbot, Monsieur Tarakjan, merci. 40.13. Que le Conseil prenne acte du dépôt du procès verbal de la consultation écrite relative à la demande de dérogation mineure pour le 17076 rue Valley, tenu du 9 au 23 décembre 2021, conformément aux dispositions du décret ministériel numéro 2021-54 du 16 juillet 2021. Je propose. Le proposeur, j'appuie. C'est qui? Madame c'est Leroux moi. Et M. Langevin. Merci. OK. 40.14. Que soit approuvée la demande de dérogation mineure mentionnée concernant le lot 1348797, adresse 17076, rue Valley, Pierrefonds, visant à permettre dans la zone H13198 pour un bâtiment unifamilial isolé d'un étage, une marge avant de 5,58 mètres au lieu du minimum requis de 6 mètres, une marge arrière de 5,87 mètres au lieu minimum de requis de 7 mètres. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin, Madame Leroux, merci. 40.15. That the Council acknowledge the tabling of the minutes of the written consultation regarding the minor exemption request for the 4870 rue Edouard
held from December 9th to the 23rd, 2021, according to the provisions of the July 16, 2021 Ministerial Order 2021-054. I propose. I concur. Madame Leroux, Monsieur Tarakjan, merci. 46, que le Conseil refuse la demande de dérogation mineure mentionnée concernant le lot 1-899-805, adresse 4870 rue Édouard-Pierrefonds, visant à permettre dans la zone H18-452 pour un bâtiment unifamilial isolé une piscine creusée en cours avant de 3 à 3,50 mètres de la ligne de l'eau avant, ce qui n'est pas autorisé en cours avant, une hauteur de clôture de 1,5 mètres au lieu du maximum requis de 1,2 mètres dans la cour avant. Je propose. J'appuie. Madame Leroux, Monsieur Langevin, merci. 47, que le Conseil prenne acte du dépôt du procès-verbal de la consultation écrite relative à la demande de dérogation mineure pour le 19 530 boulevard Gouin-Ouest, tenu du 9 au 23 décembre 2021, conformément aux dispositions du décret ministériel numéro 2021-054 du 16 juillet 2021. I propose. J'appuie. Monsieur Tarakjan, Madame Talbot, merci. 48, que soit approuvée la demande de dérogation mineure mentionnée concernant le lot 6336-971, adresse 19530 boulevard Gouin-Ouest, Pierrefonds, d'immeuble unifamilial isolé de 2 étages visant à permettre dans la zone H1-208 d'exempter de l'obligation de prévoir une bande de 1 mètre gazonnée ou autrement paysagée d'une allée d'accès à une ligne latérale de l'eau et d'exempter de l'obligation de prévoir une allée d'accès située sur le même terrain que l'espace de stationnement hors rue qu'elle dessert. I propose. J'appuie. Monsieur Tarakjan, Madame Talbot, merci. 49. Que soit adoptée la politique de participation citoyenne de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, élaborée par la Direction développement du territoire et études techniques. 49. Je propose. J'appuie. Madame Talbot et Monsieur Langevin, merci. 40-20. Que le Conseil refuse le PIA concernant les modifications du bâtiment en lien avec la nouvelle image corporative du Poulet Free Kentucky situé à 49-80 Boulevard des Sources. Je propose. J'appuie. Monsieur Langevin et Madame Leroux, merci. 51-01. Que soit demandé au directeur de l'État civil de désigner M. Demetrius Bass, maire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, pour agir à titre de célébrant compétent pour célébrer des mariages et des unions civiles dans les limites territoriales de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. Je propose. Avec plaisir, je propose. J'appuie. Madame Leroux et M. Langevin, merci de me donner cet privilège. 61-01. Que le Conseil prenne acte du dépôt du procès-verbal de la réunion publique du Comité consultatif d'urbanisme tenu le 8 décembre 2021. Je propose. J'appuie. J'appuie. J'ai attendu Mme Talbot et Madame Leroux. Et ça nous amène à 70-01, que la séance soit levée. Je propose. J'appuie. Monsieur Tarakjan et Monsieur Langevin, merci. Mesdames et messieurs, merci. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Pas facile. La pandémie continue, soyez prudents. J'espère de vous voir très, très, très bientôt. Si ce n'est pas en présentiel le mois prochain, j'espère de vous voir au moins en virtuel. Et encore une fois, soyez prudents avec vos familles et on va passer à travers tout le monde en santé. Thank you very much for joining us this evening, folks. It is a pleasure that we are here with you this evening, albeit virtual.
hopefully we see you again in person, if not in February, soon after. Stay well, stay safe, take care of your families, and we hope to see you very soon. Merci.